Ah ! Chut ! Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. Vite, donne-moi tes lames. Pourquoi ? J'ai dit que je t'aiderai et je vais tenir parole. Allez ! Mes outils sont à Midgard. Je reviens tout de suite. Il ne vient pas de te les voler, tu es sûr ? Et voilà. Maintenant, elles sont prêtes pour les vents d'Oel. Vise juste ce petit truc magique lumineux avec tes lames et lance. Maintenant, vise ce piège avant avec tes lames. C'est cette petite boule suspendue au milieu. T'as vu ça ? Maintenant, tu peux capturer et libérer les vents de elle quand ça te chante. Bon, je mets les voiles. Ne me remercie pas. Il fait un froid de canard ici. On se jette les rougements. Il m'arrive parfois de me demander ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes partis depuis trop longtemps.
Désolé, mais je suis encore sous le coup de ce que j'ai appris tout à l'heure. Zeus était ton père. Pas maintenant. On doit trouver un moyen de quitter Helheim. Je suis entièrement d'accord. Je vais me contenter de méditer en silence sur cette information. Yeah.
Réussi! Retourne vite voir ton fiston. Ne perdons pas de temps, frère. Retournons vite à Midgard avec le cœur. Accroché à la hanche du fantôme de Sparte. Ne m'appelle pas comme ça. Détrompe-toi, frère. D'après ce que j'ai entendu, le Panthéon l'avait bien mérité. Mais je dois encore me faire à l'idée. Je sais que tu es les dieux, mais tu n'arrives pas à les éviter, on dirait. Je t'interdis d'en parler au garçon. Il ne doit pas savoir. Sauf mon respect, c'est une grave erreur. Il faut qu'il sache. Il ne pourra jamais s'épanouir s'il ne connaît pas la vérité. Écoute, je comprends. Tu es les dieux. Tous les dieux. Et cette haine s'applique même à toi. Mais elle est aussi dirigée contre ton fils, tu ne le vois pas. Et il le sent. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Mais il ne pourra pas non plus la comprendre tant que tu ne lui auras pas dit. Tout est lié. Tu ne lui diras rien. Très bien. Raccourci entre les royaumes. Je l'ai amélioré, à moins que je l'ai cassé. Je suis pas sûr. On en a besoin. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris quelques rafales de ces vents de Hell et que je l'ai rendu bidirectionnel. Tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant, s'il est pas cassé. Dans ce cas, il peut nous mener chez Freya. Excellente idée, frère. Il y a peut-être quelques ajustements à faire, mais ça devrait marcher. Vas-y, frère.
bien, on peut dire que vous savez voyager, mes amis. Ce n'est pas encore ça, mais on s'en approche. Il nous a dit qu'il y avait des ajustements à faire. On doit faire vite. Tu as réussi. Oui. Avec le dos de ta main. Il est toujours malade. Je peux stopper la fièvre. Mais pour qu'il guérisse... Il doit connaître sa vraie nature. Ce n'est pas aussi simple. Aide-moi à le relever. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils, moi aussi ? Ça fait... une éternité que je ne l'ai pas revu. À sa naissance, les runes lui prédirent une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait... si petit et si fragile. J'ai su dès lors que je ferais n'importe quoi pour le protéger, quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être. Et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. Mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. Il est maudit. Mon enfant est maudit. Ne pars pas sans moi. C'est promis. Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. Freya, je n'oublierai pas ce que tu as fait. Merci. Ton père a fait le plus dur. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte.
C'est Vanaheim, c'est ça? Comment as-tu deviné, Atreus? Eh ben, la fenêtre ressemble au cristal du Bifrost. Et je sais que ce n'est pas ce qui se trouve derrière le mur. Et puis, t'as l'air triste. Tu es bien sage pour quelqu'un de si jeune. Oui, cette fenêtre donne sur un endroit où j'ai vécu il y a longtemps. Mais ce n'est qu'une vue. En arrivant à Alfheim, c'est ce qui s'est passé. Tu peux pas quitter Midgard, n'est-ce pas? Un cadeau de mon ancien époux quand nous nous sommes séparés. Pourquoi Odin t'a emprisonné à Midgard? La cruauté serait un prétexte suffisant pour lui. Mais comme toutes ses décisions hâtives, celle-ci était motivée par la peur. Les Vannes étaient la plus grande menace qui pesait sur les As jusqu'à ce que notre mariage instaure la paix. Beaucoup de Vannes estiment que je les ai trahis. Voilà ce que m'a valu mon sacrifice. Être haï par mon propre peuple. Odin m'a enfermé ici pour s'assurer qu'on ne me pardonne jamais. Je me demandais, pourquoi est-ce que vous vivez sous une tortue? C'était mon tout premier ami à Midgard. Il m'a offert un toit, et en échange, je lui ai offert ma protection contre les esprits maléfiques de la forêt. Un sanglier doré, une tortue géante, vous avez des amis très intéressants. Bien. Avant la grossière interruption de Maudit, on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui. Pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller? Je sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. Vous voyez, le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Monte, je vais tirer. Tu ne dis rien. Tu ne te sens pas mieux? Si, je crois. Je sais que tu m'as entendu parler à Freya. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Mais après tout ça, je pensais que tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire? Est-ce que je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal?
Je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire, alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs, mais nous les découvrirons avec le temps. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix, parfois. T'en as jamais entendu, toi? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer. Alors tu le sais depuis le début? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Freya, c'est sûr. Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Oh. Baldur, il est au courant? C'est pour ça qu'il nous cherche? Tu me connaissais avant? Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Eh, rien ne nous oblige à aller au tombeau de Tyr, pas vrai? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant? Je vais te montrer. On essaie encore une fois, sans être interrompus.